Alichats, mes chers amis golfeurs, eh bien, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de parler d'une notion importante et souvent assez, je dirais, sous-estimée de la part des golfeurs, l'importance des grips. Je vais vous dire mon opinion, mon avis sur comment choisir vos grips de golf. A tout de suite. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai à la main une jolie petite brochette de grips de différents coloris. Et celui-ci qui vient de sortir pour le Masters Week, le vert évidemment à l'honneur. Et alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, là je peux vous en parler en tant que clubmaker, hein, puisque moi c'est vraiment mon quotidien de recevoir à l'atelier des grips, toute taille, etc. Il y a un choix assez conséquent, très conséquent même, 10 pages de catalogue. Et même si personnellement j'ai défini mes favoris que je préconise aux golfeurs, voilà, j'essaie de pas trop m'éparpiller, je sais ceux qui sont bien, je sais ceux qui sont durables. Tiens, celui-là par exemple, c'est ceux que je joue, pardon de le dire, les Pure, bon, qui sont disponibles en différents coloris. Pure grips made in USA. Enfin, pour la petite histoire, c'est les seuls grips fabriqués aux États-Unis et il n'y a pas photo. Ils coûtent pas plus cher en plus, hein, que d'autres grips, mais c'est les plus durables. C'est-à-dire que les miens par exemple, ça fait 2 ans que je les traîne. En principe, je les change une fois par an, mes grips. Et c'est ce que je préconise aux golfeurs. Alors, les miens, ça fait 2 ans. Là, je vais les changer, mais c'est à peu près 2 fois plus durable dans le temps, 2 fois plus costaud que n'importe quel autre grip. Alors, comment choisir un grip? Trois choses à couvrir ici à l'atelier. La taille, la texture, la couleur. La couleur, je la laisse de côté. C'est vraiment très individuel si vous avez envie de vous faire plaisir. Avec de l'orange, avec du vert, avec ce que vous voulez, pourquoi pas. La taille et la texture. La taille, aujourd'hui, on a vraiment un large choix de tailles sur le marché, qui vont de junior, femme, standard pour homme, médium pour homme évidemment, jumbo, et enfin, qui est sorti il y a quelques années avec Bryson DeChambeau, le jumbo max. Enfin, je veux dire, celui-là, il est juste hallucinant. C'est le grip le plus gros du marché, je ne sais pas si vous pouvez le voir, c'est juste énorme. Il fait à peu près, regardez, je me rapproche, il est deux fois, voire deux fois et demi plus gros qu'un grip standard. C'est assez monstrueux à avoir dans les mains, mais pourquoi pas. J'ai essayé, certains golfeurs qui sont venus me voir ont adoré, un rugbyman notamment, très très grande, très très grande main. Oui, ça pour lui, c'était une taille tout à fait normale. Voilà. Mais ce ne sont pas des grips qui ont été conçus pour des très très très, très grandes mains. Ils ont été conçus pour vraiment pour alléger la sensation de stress, etc. Et c'est à ça justement dont je veux venir. Alors la taille, là je me place désormais au bout de toutes ces années de club maker d'un point de vue très simple. Très très simple. Bah, vous savez, le golf, c'est la recherche de la simplicité et du bon sens avant tout. Je veux dire, vous allez trouver sur internet, des magazines, etc., des graphiques qui vont vous dire qu'en fonction de la longueur de vos doigts, de l'épaisseur, etc., il faut choisir telle ou telle taille, plus trois couches de scotch, etc. Bon. Alors, tout ça est bien joli, mais on oublie une seule chose avec ces graphiques, c'est la façon dont le golfeur tient son club et la façon dont il perçoit la notion, je dirais, de pression sur le club. Il y a des golfeurs qui ont vraiment qui aiment une sensation très légère et d'autres golfeurs qui aiment gripper plus fort un club de golf. Ok? Et ni l'un ni l'autre n'est bon. C'est ce qui est bon, retenez ça, hein, ce qui est bon, c'est ce qui vous semble bon, ce qui vous semble confortable. Ok? Moi, je me souviens d'avoir eu en fitting, par exemple, des dames assez âgées, des toutes petites mains, qui sont reparties, une fois qu'elles les avaient essayées, avec des grips médium, voire jumbo. « Ah, qu'est-ce que je me sens bien », elle me disait. « C'est agréable, c'est doux, c'est... » Voilà, j'ai pas serré le club. Voilà, sans parler des gens qui font de l'arthrose ou ce genre de choses. Alors ensuite, une fois qu'on a choisi la bonne taille, on va s'intéresser à la texture. Importante aussi, hein, importante. Alors, pour résumer, vous avez aujourd'hui 3 types de textures. Vous avez ce que je qualifierais de texture douce. Oui, douce, un peu collante, comme ceux que je joue, hein. Les Pure, c'est pareil. Hein. Ici, c'est les grips de Sergio Garcia.
et de Jean-François, qui les aime beaucoup apparemment. Après, vous avez les grips. Les anciens grips, mais qui existent toujours, les cordes. Les grips cordes, où effectivement il y a de la corde à l'intérieur, qui sont plutôt rugueux. Après, vous avez les demi-cordes, comme celui-ci, chez Golf Pride. Donc c'est cordé sur le haut et plutôt doux sur le bas. Voilà, bon. Half cord, on appelle ça, demi-corde. Et enfin, un modèle qui perdure, qui existe toujours, qu'on appelle les wraps, comme les vieilles raquettes de tennis d'autrefois, les wraps, donc avec des, vous voyez, des enchevêtrements comme ça, qui sont pas mal, qui sont censés être bénéfiques aux individus qui font un petit peu d'arthrose, qui ont du mal à tenir le club. Voilà, les wraps. Bon, le souci des wraps, c'est qu'ils ne sont pas très durables dans le temps, il faut les changer très souvent. Et il y a aussi des grips en cuir, qui coûte très cher, pourquoi pas. Je n'ai jamais vraiment essayé, donc je ne peux pas vraiment en parler, mais il coûte très très cher. Alors en conclusion de cette vidéo, vous parlez aussi de l'importance du poids des grips. C'est important, à chaque fois désormais que vous changerez vos grips, de aussi vous poser la question du poids de ceci, parce que il y a des écarts assez conséquents aujourd'hui sur le marché. Ah, pour schématiser, pour les grips de club de golf, hein, donc du wedge fer bois, on a des grips qui vont aller de 25 grammes, ultra légers, à des grips qui vont peser, je dirais, 80 grammes. C'est énorme. C'est énorme. Sans doute, vous ne vous rendez pas compte, mais c'est énorme. Si je devais monter un club de golf avec un grip de 25 grammes ou un grip de 80 grammes, les sensations d'équilibrage de ce club de golf seraient totalement différentes. Très important, désormais pour vous, si vous vous intéressez vraiment à vos clubs de golf, de définir l'équilibrage d'un club de golf qui vous plaît, savoir avec la personne qui vous a posé le grip, ça peut être moi, mais admettons que ce soit quelqu'un d'autre, quel est le poids de ce grip, et ensuite, à chaque fois que vous allez changer vos grips, eh bien, restez à peu près dans la même tranche de poids. Ne passez pas, c'est mon conseil, de 30 grammes à 70 grammes. Voilà, parce que ça va totalement changer votre perception du club de golf. S'il y a bien une chose que j'ai comprise, apprise au cours de ces 10 années de métier dans le golf, c'est que le golf est une somme de détails. Une somme de détails, parfois des tout petits détails insignifiants, comme ce grip à première vue, pourrait se dire, bon, allez, je vais changer mes grips. Eh bien, non, c'est pas si innocent que ça, c'est pas innocent du tout. Avoir le bon grip, la bonne taille, la bonne texture, le changer régulièrement, eh bien, ce sont des petits détails qui permettront, j'en suis persuadé, je vous le garantis, d'améliorer votre golf. Voilà. Et bonne fin de semaine.